Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'occuper d'une surface 4 Pro qui ne démarre plus, aussi bien sur secteur que sur batterie. Donc cette vidéo, je sais que j'en ai déjà fait une, mais on va essayer de la, de la faire plus complète que la dernière fois où j'ai pas pu euh, la faire euh, comme je la voulais. Donc euh, le problème c'est qu'elle démarre plus. Donc on a enlevé l'écran d'origine. Et lui n'est pas cassé, et le but du jeu sur ces sur les surfaces pro sur les surfaces book, essayer de l'enlever sans l'abîmer. Elles sont fragiles sur les bords, c'est extrêmement fin, c'est flexible. Mais euh, quand vous voyez la bande adhésive qui a qui est en place autour du châssis je peux vous garantir que ça tient et la casser ça on peut la casser facilement donc je, je disais bon maintenant on va passer au problème de la carte mère on va mettre sous le microscope voilà première chose on va brancher le secteur Moi j'ai déjà enlevé toutes les plaques de blindage qui sont les plus importantes pour contrôler ce que j'ai besoin. Donc là, la carte mère, la LED qui s'allume bien en blanc. Et maintenant, on va commencer par le départ. Le départ... Il se trouve pas loin du connecteur. Connecteur de charge du chargeur. C'est-à-dire que là, on a notre connecteur. Et là, juste à côté, on va dire qu'on a le début de l'étage d'alimentation. Comme sur un PC, ça serait le 19V par exemple. Donc je suis bien en voltage et maintenant je regarde les tensions que j'ai au niveau de ces deux MOSFET. On va décaler un peu le microscope. Voilà, ça c'est la première chose qui m'intéresse. Donc on a du 13. En entrée, là c'est l'entrée, hein. c'est-à-dire ce qui vient du connecteur. Là en entrée, on a du 13. 12, 12. c'est pas normal. Et au milieu, en sortie, on n'a rien. Donc le problème, il est déjà au départ. Parce que là-dessus, vous pouvez avoir plusieurs problèmes. Vous pouvez avoir. Là, déjà au départ, on n'a pas les commandes pour la sortie euh, alimentation carte mère. Mais sinon, après, vous pouvez avoir des résistances de 0 ohm qui soient brûlées ou défectueuses. Vous pouvez avoir problème de diode. et là à ces deux chintes résistors de résistance là notre 13 volts on n'a rien et là notre circuit de charge 8 ,60 volts 60 je crois à peu près on n'a rien non plus qui s'est charge cette charge donc on va quand même contrôler l'état des diodes même si ça n'empêche pas le problème du départ alors c'est du diode. 229, c'est normal. La valeur, elle correspond bien. Donc, il a pas de souci. Bon, en tout cas, dans ce sens. Par contre, de le côté, je dois avoir 0. OL. Ce qui est le cas pour celle-là. Ce qui est le cas pour celle-là aussi. Donc nos diodes fonctionnent parfaitement. En tout cas, les valeurs sont parfaitement normales. Alors, ce qui se passe là, dans ce cas de figure, j'ai pas ma sortie, mon entrée et j'ai mon entrée chargeur. Mais je n'ai pas ma sortie pour venir alimenter la carte mère. Donc, si je n'ai pas mes commandes qui vient sur les MOSFET, la patte gate, pour déclencher l'alimentation sur la carte mère. Là, on a vu qu'on avait du 13 volts. Mais ce n'est pas l'alimentation qui doit être fournie par les MOSFET. On va dire que c'est l'alimentation qui vient du secteur en direct, et c'est pas ça qui nous fait fonctionner la carte mère. C'est le 13 v qui doit sortir, 13 volts, 15 volts, qui doit sortir entre les deux MOSFET. Donc dans ce cas de figure, on ne va pas perdre trop de temps. On va aller directement à le C. J'aurai des valeurs. valeurs qui sont pas bonnes et au niveau de lycée de charge Ok. Dans un premier temps, on va remplacer le C. Parce que si le C est défectueux, les valeurs ne vont pas être bonnes non plus au niveau de l'IC de charge, le BQ. Donc je vais l'enlever dans un premier temps. On va regarder un peu si on voit quelque chose de brûlé, comme d'habitude au niveau des pads. On va le remplacer. Voir ce que ça donne. Si les valeurs sont redevenues à la normale. Et dans le pire des cas. Il y a toujours des valeurs qui ne sont pas dans la norme, cette carte mère, on remplacera le BQ 24770, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. C'est de charge. Donc, euh, je, je fais un petit tour visuel. On va voir s'il a rien de brûlé. C'est déjà arrivé. Hop, hop, hop. Rien de spécial, très bien. Et là... là, des fois ça arrive, hein. des filtres. Euh, des filtres qui brûlent au niveau alimentation caméra euh, autant profiter pour tout bien regarder là il n'y a rien de brûlé il n'y a pas plusieurs pannes on va dire ou on va dire qu'il n'y a pas quelque chose qui a provoqué une surtension une surconsommation et qui a fini par brûler le C par exemple ou l'IC de charge. Donc OK. Je vois rien de spécial. On démonte, on dessoude le, euh, le C, le ITE sur cette version et on voit ça juste après. Bon, on va remplacer le C en nettoyant au préalable la surface. Donc c'est parti. Réparation terminée de la carte mère de la Surface Pro 4. J'ai enlevé tous les blindages parce que j'en ai profité pour la, la mettre au, au nettoyage, au bac à ultrasons, pour bien enlever toutes les traces de flux. On va faire un petit récapitulatif de ce qui a été fait. Et du fonctionnement. ou des par particularités de cette carte mère de surface 4 Pro. Il y a surtout une particularité. Le restant, ça fonctionne exactement comme un PC classique, ou comme un MacBook euh, équipé encore euh, d'un EFI, d'un BIOS. Donc, déjà dans un premier temps, je vous ai montré au début, toutes les tensions qui nous manquaient, je vais vous montrer qu'on les a bien récupérés. Donc, on va passer sous le microscope. Voilà, je branche. LED allumée. Donc notre point de départ que je vous ai montré DCIN entrée connecteur de charge là dessine entrée hop bien en une masse correcte ok c'est eh bien oui La lumière qui réfléchit, c'est un peu améliorer les contrastes. Donc le DCIN entrée, tension qui rentre du chargeur, c'est celle-là. Au niveau des indu des inducteurs là, les deux bobines, ça c'est l'entrée. On a bien nos 15 volts. Et la sortie des séines externes, c'est au milieu. Ici et ici, on avait zéro. Maintenant, on a nos 15 volts. Donc ça, c'est bon. Alors, à ce niveau-là, on n'avait pas notre tension de service et notre tension de charge de 8V60, elle était absente aussi, environ 8V60. Donc là, on a nos 8V78, c'est 8V60 environ, 78 ça dépend du chargeur. Donc ça c'est notre tension pour recharger la batterie. Donc on l'a bien récupéré. Parfait. Et là, à côté, on a maintenant notre tension de service, notre tension système. elle est de nouveau présente. Alors, on a remplacé l'EC qui était en défaut sur le 3V3EC. Mais l'IC de charge, il était défectueux aussi. Comme par hasard, j'avais fait une petite vidéo rapide précédemment mais là c'était le cas alors pourquoi le shield il a été coupé là parce que là vous avez des résistances qui sont euh, qu'on ne peut pas euh, prendre les valeurs avec le shield donc je l'ai coupé parce que là il y avait une valeur qui était défectueuse au niveau d'une résistance tout simplement donc l'IC de charge a été changé le C a été changé la valeur de la résistance elle a été corrigée et maintenant pour un fonctionnement parfait on a nos 3 volts 3 EC ou 3 volts ou 3V sur les schémas de PC 3 VS mais c'est 3 v 3 donc maintenant on l'a récupéré alors petite précision importante sur le 3 V le 3 V 3 EC des surfaces pro 4 je le débranche si vous prenez la valeur du 3 V EC en continuité Et il y a une petite spécification qui peut induire plus d'une personne en erreur. Donc là, on a un GND. 14. Et si je prends de ce côté-là, où on vient de prendre notre tension qui était à 3 volts 3. On a une résistance qui est très faible voire quasiment à la masse par moment ça il faut se méfier alors pour savoir si vraiment il peut y avoir un court circuit sur le 3 volts 3 ec il faut juste injecter <laughs> du 3 volts sur cette ligne là et si vous restez à 0,30 0,40 de consommation c'est que la ligne c il n'y a pas de court-circuit si ça monte beaucoup plus haut il faut chercher c'est qu'il y a un court-circuit mais méfiez-vous ça vaut être bas mais c'est pas en court-circuit la la valeur elle est bonne mais des fois c'est à la limite du court-circuit. Je vais voir cette bobine-là, qui est du 3V aussi. Pas le 3V principal. Du 3V reg. 3V 3 reg. Là, la valeur, elle est correcte. Là, ça ne sonne pas en court-circuit. Et méfiez-vous parce que. Sur ce 3V3 3 EC, des fois ça sonne à la masse et vous pouvez injecter du courant du 3V, vous trouverez pas de court circuit. Hein. garantie Donc maintenant pour savoir, je vais rebrancher. Si notre carte mère, elle est prête à démarrer. Donc dans un premier temps, je vous ai montré qu'on avait récupéré le 3V EC. Voilà. Maintenant, je vais à l'IPROM qui est juste à côté, c'est-à-dire les FI. Le 1. 3V3. 3V3. 3 volts 3 là c'est la masse alors par contre le 5 et le 6 pour ceux qui ne savent pas c'est la communication on va dire euh, unique avec le pch quand je dis communication unique c'est à dire que c'est seulement sur ce, ces deux lignes là que le PCH et les prom s'échangent des informations entre eux. Mais quand je dis euh, s'échangent des informations, c'est le PCH, un exemple, demande, j'ai le CPU, j'ai tel CPU, qui me demande de faire ça. Il va le demander à l'EPROM. Elle, elle est prom elle est programmée avec les caractéristiques de chaque composant. PC, euh, CPU, euh, euh, quantité de mémoire, euh, 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 graphique, euh, on va dire euh, ses capacités pour ce qui est donné par le constructeur. Et donc quand il a besoin d'une information, il communique sur ce canal là 5 et 6. 5 et 6, c'est horloge et data. Pour savoir comment il doit gérer les informations qui viennent par exemple du CPU ou comment il doit envoyer les informations au CPU pour un fonctionnement optimal par rapport au type de CPU, au type de mémoire, etc. Beaucoup d'informations. Mais voilà, le 5 et 6, c'est communication, PCH et PROM. Et les autres lignes, c'est les data. Une fois qu'ils ont communiqué, OK, j'ai besoin de telle information. Ça va être envoyé sur les autres pins de communication pour envoyer les datas qu'il a besoin pour faire travailler la carte mère correctement. Donc, le 5 et le 6, pour en revenir, si je prends, si je veux prendre des tensions directement au-dessus sur le 5 et le 6, vous ne verrez, là j'y suis là. C'est le 5, vous ne verrez rien avec un multimètre. Le 6, il n'y a rien. Le 7, volts 3. Et enfin, le 3, volts 3. Le 8, qui est l'alimentation de l'EPROM, c'est-à-dire 3, volts 3 et 5. Le 5 et le 6 pour voir s'il y a de la communication avec le PCH, vous devez vous servir d'un oscilloscope. Il n'y a que avec un oscilloscope que vous verrez s'il y a bien de communication. 5 et 6. Si je vous fais voir sur le schéma. ça donne ça donc notre c qui est là plus 3 v mais c'est 3 v ec mais 3 volts 3 comme je vous expliquais sur le sur, sur les schémas de, de pc le 3 volts 3 c'est 3 v plus 3 v plus 3vs hein. euh, c'est ça jamais marqué 3 volts 3 ou alors très rarement mais ouais, c'est du 3 volts 3 donc on l'a notre c fonctionne correctement il est bien alimenté il n'est pas en défaut les prom les filles il est là et le 5 comme vous voyez c'est le data communication et le 6 c'est la ligne, euh, c'est la ligne de communication, c'est le canal de communication, c'est l'horloge, c'est la fréquence de, de, du canal de communication. Voilà. Donc on a bien toutes nos valeurs en stand-by. Là, si on prend le 5 et le 6 à l'oxyloscope, vous verrez qu'il y a bien une communication. Là, ça va être assuré. Ou alors, vous allez voir une ligne ça dépend comment il est calibré, l'oxyloscope. Mais vous, sinon, vous verrez une ligne qui oxy, hein, suivant le, le délai, le réglage que vous avez paramétré l'oxyloscope. Hein. ça, ce qui est important pour l'essai de charge. Voilà, c'est pareil. Qui communique avec le C. Charge SCL, ça c'est pareil. Canal horloge. Avec le C. SCL ça c'est l'horloge j'ai dit SCL charge SCL voilà EC clock Et à côté, le 11 S Data SDA, ça veut dire S Data. L'autre c'est SCL euh, SL pour horloge SCL c'est euh, clock horloge SDA c'est data communication avec le C. Donc ça, ça se transforme en lecture par une tension de 3V3, comme sur les Macs où c'était du 3V41 SMC sur les Macs. Donc ça important donc j'avais un souci sur une résistance ça a été corrigé m'empêcher de lisser de charge de fonctionner correctement ici de ce côté là on va revenir sous le microscope De ce côté-là, vous avez le 1285, ça c'est lissé 3 v 3, 3, 5V, convertisseur 3V3 3, 5V, référence euh, commune, courante, même si on trouve de plus en plus du RichTech maintenant, mais le 1285A, euh, ouais, je dirais que euh, ça doit dépendre aussi euh, des stocks euh, de fabrication. Donc là, on a du 3V3. Là, je le vois qu'il est placé entre les deux. Donc il doit y avoir 3V3 ou 5V. Je ne sais pas si on l'aura maintenant. Mais c'est le cas. Donc celui-là, c'est notre 5V. Et donc celui-là, notre 3V3. Voilà. 1285. Convertisseur 3V3, 5V. Donc notre carte mère est parfaitement alimentée et bien en stand-by, prêt à recevoir le reset EC pour démarrer normalement. Il ne doit pas y avoir de soucis. Donc je vais la remonter et je vous ferai voir juste après son fonctionnement. C'est parti. Bon voilà. Tout est remonté. La carte mère en place. Maintenant, on va parler d'un défaut sur ces, dé sur ces dalles de surface Pro 4. Moi j'appelle ça un, un défaut de conception. Bon, C'est une méthode de, de fabrication qui est valable, on va dire, les premières années, mais ça ne tient pas dans le temps avec la chaleur. La dalle, comme vous voyez, elle est en parfait état. Elle n'est pas cassée. Elle était décollée nickel, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a un défaut. Là, au niveau de la platine qui gère le tactile, là, il y a une petite nappe plus étroite, on va dire. Ça, là, il n'y a aucun souci. C'est du cuivre. La, la piste complète, c'est du cuivre. Par contre, la nappe la plus large, qui est juste au bord là. Au niveau du connecteur, c'est du cuivre. Mais ensuite, dans l'arrondi, les pistes sont en graphite. C'est pas du cuivre. Alors, du graphite, euh, c'est comme un peu comme une espèce de, de poudre. Quand c'est neuf, c'est pas le souci. C'est conducteur, ça fait, ça fait comme une piste, enfin c'est de la poudre, c'est des granulés tout fins où on crée une piste pour faire conducteur. Le problème c'est que le graphite dans le temps, avec la chaleur dégagée, quel que soit l'appareil, hein, bah j'en ai déjà vu sur des PC. Euh, assez anciens pas, pas les récents sur les récents on n'en voit plus mais sur des boutons power euh, déportés avec des, des nappes en graphite j'en ai déjà vu sur du asus et c'est mmh. le même problème donc pour revenir à cette nappe là là dans la courbe qui rentre ensuite au niveau de la dalle au niveau de de l'écran, le tactile, il est là. Cette partie-là. Là. Toutes les pistes sont en graphite. Alors, quand c'est neuf, pas de souci, ça reste flexible. Comme je vous dis, ça a une certaine, je ne sais pas comment vous dire, mais on va dire une certaine humidité, donc ça reste flexible. Le souci, c'est avec le temps, la chaleur, que dégage l'appareil, ça sèche et ça devient cassant comme du verre au niveau de la nappe la plus large, celle-là. Donc, déjà dans un premier temps, je vous déconseille de débrancher cette nappe. Si vous enlevez l'écran... N'est pas cassé, il n'y avait pas de défaut au départ, et qu'elle a quelques années de fonctionnement, ne débranchez pas cette nappe. Rien que le fait de la débrancher et de la plier un peu, vous vous retrouvez avec des. Vous avez de, de grandes chances de casser des pistes qui sont en graphite. Donc, ça, ne surtout pas y toucher. Si l'écran n'est pas cassé. N'empêche que là il y a bien un problème. Je l'ai testé et au centre de l'écran sur une zone entre 5 et 8 cm, 5 et 8 centimètres en plein milieu. Le tactile fonctionne plus. Et donc là, comme il fonctionnait plus, j'ai enlevé la nappe. C'est pas la peine. Il euh, y en a qui, qui changent euh, la platine pour voir si ça refonctionne. Bon, ça peut arriver hein, que ce soit la platine. Mon pain, elles sont assez costaudes. Hein. Les platines euh, digitiseurs euh, qui gèrent le tactile. Euh, le problème, bien souvent, c'est cette nappe là. Donc je l'ai débranché et j'ai vu qu'il y avait des nappes, des pistes graphites qui ont cassé comme du verre. Juste la flexion de l'écran. En plus, il est juste au bord. Donc euh, c'est la zone que je chauffe pour pouvoir décoller à la ventouse. Il y a euh, deux, trois pistes. Qui ont cassé le plus dur pour résumer c'est pas d'enlever la, la dalle mais c'est aussi d'avoir de la chance que dans cette nappe là le, les pistes en graphite elles ne cassent pas voilà le problème principal que je trouve et ça, vous ne pouvez rien faire. Ces hein. pistes en graphite, comme euh, je, je vous dis, euh, ça casse comme du verre hein, avec le temps, ça sèche. Euh, voilà. Et donc, euh, si ça fonctionne, là, on ne pouvait pas le voir. La carte mère démarrait pas. Mais surtout, euh, ne vous amusez pas à, à débrancher euh. l'autre, la plus étroite. Vous... Pas le souci, mais celle en graphite, ne la débranchez surtout pas. S'il n'y a pas de problème avant de l'avoir essayé. Après, s'il y a un problème de tactile, après avoir essayé, si vous voulez débrancher pour voir, pour constater, bah vous verrez que les pistes sont en graphite juste à l'entrée. Et si vous regardez bien au microscope, vous verrez que c'est cassé. Ce qui est le cas de celle-là, malheureusement. Donc, je vais la brancher et je vais vous la mettre en route, cette surface. Voilà, mis en place, vite fait, on démarre. Ça fonctionne, la batterie elle a rechargé un peu. Euh, non, je crois qu'il n'y a pas de photo. Et voilà, surface Pro4 qui refonctionne parfaitement. Et ce qui est le plus triste, c'est qu'il n'y a aucun défaut, il n'y a pas aucune tâche au niveau de l'image. Comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, ce qu'on peut avoir si on chauffe trop longtemps. Mais le tactile avec les pistes graphites. C'est ça le, le principal euh, souci. C'est les pistes graphite qui sèchent et qui deviennent cassants comme du verre. Mais c'est vraiment cassant comme du verre. Et je l'ai pas enlevé. Hein. Mais euh, la chaleur, torsion pour euh, la ventouse, bah, ça suffit. Hein. Heureusement, c'est pas systématique. Hein. Mais euh, voilà quoi là on n'a pas eu de chance on a bien le logo de la batterie secteur batterie secteur je sais pas si vous verrez une différence si pas à faire un... Quand on pas la dalle la différence parce que ça, l'éclairage, la luminosité, elle baisse un peu. Enfin, ça fonctionne. Le tactile. Alors là, par contre, je pense qu'il y a le nom du client. Voilà, il fonctionne. Sauf sur une zone centrale de 5, euh, 5 cm environ, ça fonctionne plus. En bas, ça fonctionne. Le réseau, ça fonctionne. Donc voilà, carte mère réparée et parfaitement fonctionnelle. Je ferai les tests après. Mais malheureusement, on devra changer quand même. L'écran à cause du tactile. Et euh, je sais que c'est pas la... Là... La platine euh, la platine tactile euh, qui a un défaut euh, je, ça c'est sûr que, que cela n'a pas voilà en espérant que cette vidéo vous a plu que vous avez appris des choses et à la prochaine